CIFD et UFDG. Bonsoir, bonsoir Mariam Kamara, walaikum salam. Changel, bonsoir. Merci Manjou, frère, merci beaucoup. Voilà. Donc vous savez, comme vous savez tous, normalement je suis en deuil. Normalement je suis en deuil. Et que ça va faire aujourd'hui le 11e jour, bientôt le 15e jour. Ça n'a même pas fait 2 semaines. Ça n'a pas fait 2 semaines, la mort de ma maman. Donc je suis toujours en deuil. Mais je viens faire ce live à cause de l'amour que j'ai pour mon parti, à cause de l'amour que j'ai pour cette communauté. C'est pourquoi je me vois dans l'obligation de faire ce live, d'intervenir, et même si on va faire des programmes après. Mais vous savez comme moi que je suis en live et que tout ce que je vais dire ici, ça vient du fond du cœur, et c'est-à-dire c'est sincère, honnête, et franchement parler, je me vois dans l'obligation de parler pour que nous puissions comprendre, pour que beaucoup puissent comprendre. Que réellement CIFD ou UFDG, c'est quoi? Et c'est quoi réellement le but des deux côtés, quoi. Donc, du coup, sans oublier, il faut qu'on soit avec Allah. Je le dis toujours. Il y a des gens qui gênent les jeudis. Par exemple, demain, nous, on gêne tout le temps avec la sœur Marie Sissoko. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en train de combattre des personnes sataniques. Des personnes qui vénèrent des idolâtres, des personnes qui ne prient pas. Nous, il faut qu'on appelle Allah tout le temps. Tout le temps. Il faut qu'on appelle Allah. Tout le temps. Il faut qu'on appelle, on fait des zikr, on monte, on descend, on fait des zikr. Nous qui sortons à visage découvert devant vous pour défendre ces millions de Guinéens, pour défendre la vérité. Ils nous combattent de tous les côtés. C'est-à-dire, ils prennent nos photos, ils envoient nos photos chez les marabouts, ils envoient nos photos chez les charlatans, les féticheurs, pour nous faire taire. Mais à cause de l'amour qu'on a pour ce pays, à cause de l'amour qu'on a pour l'engagement qu'on a pris pour notre parti, on ne peut pas abandonner. Et Allah sait que réellement que nous sommes sur le chemin de la vérité. Quand vous êtes sur le chemin de la vérité, Dieu le Tout-Puissant Allah vous aidera toujours. Il vous aidera toujours. Donc, partagez le live dans les groupes. N'oubliez pas, déjeuner les jeudis, les lundis, pour soi-même et pour notre pays, pour qu'Allah puisse faire sortir ces personnes sataniques de notre pays. Donc, nous allons commencer. Les autres vont nous prendre en cours de route. CIFD. Voilà. Bon, je vois que c'est une organisation. Ma position par rapport à cela, c'est ce que je vais vous dire là, maintenant. C'est une organisation, une coordination qui a été créée et qui est présidée par le sieur Monsieur Maudit Sory, qui réside en Belgique. Donc, CIFD, je vais parler sur CIFD en deux parties. La première partie, ma position par rapport à la coordination CIFD. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie va concerner le conseil que je vais donner à la coordination CIFD. D'accord. Nous sommes tous d'accord. Maintenant, on commence. Parce que je vois que beaucoup de gens, depuis que cette coordination a été créée, beaucoup de gens font des polémiques dessus. C'est vrai. Beaucoup de gens font des polémiques dessus. Maintenant, quand on regarde la coordination CIFD, l'objectif, c'est quoi?
L'objectif du CIFD, c'est de combattre le régime d'Alpha Condé. Après l'étude que j'ai faite concernant CIFD, Coordination internationale du Fouta Diallo. Premièrement, CIFD n'est pas la seule ou la première coordination créée par des régions en Guinée. La vérité. Donc, nous avons la coordination de la Basse-Côte, nous avons la coordination de la des Konya, nous avons la coordination des Diakanké, nous avons la coordination de la Haute-Guinée, du Mandé, c'est-à-dire nous avons la coordination de la Basse-Côte qui est créée et qui est présidée par des responsables guinéens. Nous avons la coordination des Diakanké. Nous avons aussi la coordination des personnes du Mandé et des Konya. Donc, si CIFD, la signification qui signifie Coordination internationale du Fouta Diallo, ça ne doit poser aucun problème. En tout cas, selon moi, ça ne doit pas poser de problème que le Fouta Diallo aussi crée sa coordination à travers sa communauté. Donc, l'idéologie de CIFD, c'est combattre le régime satanique Alpha Condé. C'est bien, c'est beau. Oui. En tout cas, moi, en tant que militant communicant de l'UFDG, toute personne qui viendra ou qui est dans l'idéologie de combattre, c'est-à-dire pas par les armes, de combattre, qui n'est pas pour, qui n'est pas d'accord avec ce régime, je ne trouve pas d'inconvénient et que je ne serai pas contre. Donc, CIFD, aujourd'hui, cette coordination a été créée par un monsieur qui réside en Belgique. Il a pris des communicants et c'est une coordination de Fouta Diallo. C'est tout à fait normal. Et cette communauté aujourd'hui se sent tellement visée. Cette communauté a beaucoup souffert. C'est ce qui est la vérité. Sans tourner autour du pot. La communauté Fulbe a beaucoup souffert. Ça, c'est vrai. Et tous les Guinéens le savent. On le sait tous. Donc, la coordination CIFD, l'idéologie est bonne. Et franchement parlant, on ne doit pas les blâmer pour dire qu'ils sont en train de vendre leurs cartes. Si CIFD veut, ils n'ont qu'à, même si c'est des t-shirts, ils n'ont qu'à créer des t-shirts ou des casquettes ou même des chaussures, écrit CIFD, pour dire venez acheter nos t-shirts. Ceux qui veulent acheter partiront acheter librement. Parce que c'est une coordination. Et CIFD n'est pas un parti politique. C'est ce qui est la vérité. CIFD n'est pas un parti politique. C'est juste une coordination créée pour la communauté du Fouta Diallo. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, l'idéologie, l'idée, elle est bonne. L'idée, elle est bonne. Nous avons tous un ennemi commun, Alpha Condé. Maintenant, cet ennemi commun qu'on a tous aujourd'hui, qu'on veut voir dégager de notre pays, qu'on rêve qu'il dégage, parce que je ne vais pas dire de partir, qu'on rêve qu'il dégage de notre pays, il faut qu'on le
combat malignement. Malignement. Voilà. Underground. Qu'est-ce que j'ai commencé au début? Le début, j'ai cité la coordination de la basse-côte. J'ai cité la coordination des Konya. J'ai cité la coordination du Mandé. J'ai cité même la coordination du Dyaka. Maintenant, est-ce que vous savez réellement, dans l'ombre, qu'est-ce que la coordination de la basse-côte prépare? Est-ce que vous savez réellement, dans l'ombre, qu'est-ce que la coordination Manding prépare? Est-ce que vous savez réellement, dans l'ombre, qu'est-ce que la coordination Konya ou Dyaka prépare? Underground, en anglais. Cet underground veut dire quoi? L'idéologie, la création de cette coordination du Fouta Diallo, elle est très bonne et que moi j'apprécie. Mais cette idéologie-là, il serait mieux de ne pas dire certains propos publiquement que nos ennemis sachent déjà l'intention que vous avez à l'avance. L'intention que vous avez à l'avance. Est-ce que vous savez qu'est-ce que les autres préparent? Vous ne le savez pas. Donc, que personne ne blâme CIFD. C'est une nouvelle organisation et ils ont besoin de soutien. Leurs communicants peuvent communiquer autant de fois qu'ils veulent. Au nom de CIFD, ça ne posera aucun problème à nous, l'UFDG. Mais il y a ce parti, ce côté-là. Pour les autres, CIFD, c'est UFDG. Pour le RPG, CIFD, c'est l'UFDG. Parce que certains communicants qui communiquent aujourd'hui pour le CIFD communiquaient auparavant pour l'UFDG. Et c'est dans ce côté-là que vous faites mal, c'est-à-dire sans savoir que vous faites mal à l'UFDG. Ce côté-là. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que Guido Fulbert, il est communicant, il est du CFD, CIFD, et ses photos, là où il tenait des armes, pour dire qu'on va se préparer. Ces photos ont été envoyées à l'Assemblée Générale de la CDAO. Alpha Condé a montré cette photo pour trouver un argument, pour dire que, ah, c'est pourquoi j'ai fermé les frontières entre la Guinée et le Sénégal. Voici la preuve. Donc, CIFD, la communication, elle est très simple. Comment ça, elle est très simple? On veut la coordination. C'est pour la communauté. Achetez les cartes. Personne ne trouvera d'inconvénient. Personne ne sera contre. En tout cas, moi, je ne suis pas contre. Personne ne sera contre. Vous avez le droit, et c'est tout à fait légal, que vous aussi, vous créez votre coordination de votre région. Parce que les autres en ont fait. Totalement d'accord avec vous. Mais, est-ce que il ne serait pas mieux que toutes les organisations ou toutes les décisions, c'est-à-dire les décisions importantes, les idéologies, à ne pas gérer ça en coulisses, entre vous, à ne pas exposer ça sur la place publique. Parce que pour les autres, CIFD, c'est l'UFDG. Pour les autres, CIFD, quand vous êtes Peul aujourd'hui, vous faites partie de l'UFDG. Automatiquement, quand vous êtes Peul, vous faites partie de l'UFDG. C'est automatique. Quand vous êtes Peul,
en tant que parti, le premier parti politique guinéen aujourd'hui en République de Guinée, quand vous êtes peul, on vous dit, ah, il est de l'UFDG. On vous dit, il est de l'UFDG. Donc, ce côté-là, il y a ce mal, un peu mal, mais la communauté nationale et internationale voit et sait que réellement, CIFD, et que je suis en train d'expliquer que CIFD n'est pas un parti politique et que entre CIFD et même l'UF, entre CIFD et l'UFDG, c'est deux choses complètement, totalement différentes. Qu'est-ce qui les lie? Ce qui les lie, c'est des personnes tous issues de la même communauté. Et que cette communauté aujourd'hui, hein, moi, je ne suis pas de la communauté Fulbe. Je ne parlais pas au nom de l'UFDG auparavant. L'UFDG, ce n'est pas un parti communautaire. Je le dément. Je le dément. Le président Selou, ce n'est pas un président communautaire. Non, je le dément. J'ai même un témoignage d'un communicant RPGiste qui était dans l'UFDG auparavant. Je ne vais pas dire son nom ici. Un communicant très connu du RPG, que je respecte beaucoup, qui est une tête. Un jour, on a parlé. Il m'a dit que moi, j'étais dans l'UFDG. Il me dit, Djibril, moi, j'étais dans l'UFDG. J'ai dit, ah bon? Il me dit, oui, j'étais dans l'UFDG. Et il me dit quoi? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il me dit, Selou n'est pas un problème. Il me dit, honnêtement, Selou n'est pas un problème. Selou, j'ai vu que Selou, il veut le pouvoir pour la Guinée. Il m'a raconté une anecdote sur Selou. Une histoire qui s'est passée. C'était l'inauguration d'une fédération à Sangoya ou je ne sais pas quoi. Le président Selou était parti là-bas pour inaugurer ce bureau. C'est entre Matoto et Sangoya. J'ai oublié. Mais c'est entre Matoto et Sangoya. Donc, ce communicant aujourd'hui, il est RPGiste, connu de tous. Il me dit, c'est le jour-là, Selou m'a convaincu. Selou m'a convaincu ce jour-là. J'ai dit, comment? Il me dit, quand Selou est venu pour l'inauguration du bureau, après, c'était pour élire le fédéral, le responsable, tout, tout, tout. Il n'a pas pris les peules pour mettre à la tête. Il a pris un malinqué fédéral, il a pris un soussou second et il a pris un peul en troisième position. C'est loup. Est-ce que vous comprenez ce parti-là? Il m'a dit le jour que Selou m'a convaincu, c'est ce jour-là, le président Selou est venu pour l'inauguration de ce bureau fédéral. C'était entre Matoto et Sangoya. Il a dit j'étais là-bas. C'est un communicant RPGiste qui m'a dit cela. Il est aujourd'hui en Europe, il va me regarder, il sait de quoi je parle. Il me dit, quand Selou est venu pour l'inauguration, il a choisi un malinqué, un soussou, le second, le peul était en troisième position. Il a dit, pour ne pas qu'on dise que, ce qu'on dise, voilà, c'est Grand Fof, lui il a écrit son nom, c'est Grand Fof. Ce qu'on dit sur notre communauté, que c'est un parti communautaire, il ne faut pas qu'on dise cela. Vous voyez le président Selou? L'homme que le président feu général Lansana Conté a pris à cause de son honnêteté, le seul qui a fait combien de ministères en République de Guinée, le seul qui a fait 11 ans dans un régime
combattu à cause de son honnêteté. À cause de son honnêteté. Ce n'est pas pour rien que ce loup, il a été combattu. Ce n'est pas pour rien. On continue de le combattre aujourd'hui. C'est à cause de son honnêteté. C'est parce qu'il a voulu du bien pour le pays. C'est ce qui est la vérité. L'homme que le président Conté a pris en mettant devant les Guinéens, ceux qui se rappellent de cette image, en disant que si les Guinéens ont une chance de t'avoir comme président, ils auront eu un bon président. Le feu président Lansana Conté a dit au président Sélou, si les Guinéens ont une chance de t'avoir comme président, ils auront eu un bon président. Je prie tous les Guinéens de bénir pour Mafouledi. Le feu général Lansana Conté appelait le président Sélou Mafouledi. Oui. Cet homme aujourd'hui, il est combattu à cause de son honnêteté. Le système qu'il combattait, c'est ce même système qui est là aujourd'hui pour ne pas qu'il soit au pouvoir. Maintenant, nous, quel est notre rôle dans tout ça? Je suis de la communauté Soussou. Et je ne parlais pas, je ne communiquais pas, je ne m'intéressais pas à la politique de l'UFDG. Parce que je me disais, ah, ce qu'on nous a mis en tête, les peuples ne sont pas bons. C'est ce qu'on nous avait mis en tête. Les peuples ne sont pas bons. Les peuples ne sont pas bons. Si vous supportez les peuples, vous allez les regretter. Ne supportez jamais les peuples. Maintenant, nous sommes venus. Moi, j'ai compris cela. Beaucoup ont compris cela. Vous m'avez vu. Je suis parti convaincre nos mamans. Je suis parti convaincre nos petits frères. Je suis parti convaincre nos grands frères. Pour leur dire, suivez l'UFDG. Suivez cette communauté. C'est eux qui peuvent faire l'affaire de notre pays. Dans tous les pays du monde, on donne le pouvoir à celui ou à ceux qui ont beaucoup plus d'argent dans le pays. Sauf seulement dans notre pays, la Guinée. Sauf seulement dans notre pays, la Guinée. Donald Trump, aux États-Unis, il est venu au pouvoir. C'est pas parce qu'il connaissait la politique. Les Américains l'ont mis à la tête des États-Unis parce que c'était déjà un milliardaire. Il n'avait pas besoin de ça. Donc, les premiers riches aujourd'hui de la Guinée que personne ne contestera, c'est la communauté Fulbe. Pourquoi on ne veut pas que cette communauté dirige la Guinée? C'est parce que la solution pour faire sortir la Guinée de l'ornière, c'est cette communauté qui a seule la clé de le faire. Je le dis et je l'assume. C'est ce qui est la vérité. Maintenant, ce qu'on nous a mis dans la tête, en disant que les peuls ne sont pas bons, ne défendez pas les peuls. C'est des communautarismes. C'est des personnes qui ne s'intéressent qu'à leurs semblables. Nous avons compris que cela n'est pas vrai. Aujourd'hui, nous avons rejoint l'UFDG. Aujourd'hui, nous avons sacrifié nos vies pour l'UFDG. Abandonner notre pays, combattre pour la vérité. Alors, mes frères, s'il vous plaît, membres de CIFD, ne donnez pas raison à ces gens-là. Car ils diront ce qu'on vous avait dit de cette communauté, qu'ils ne sont pas bons, qu'ils sont comme ci, qu'ils sont comme ça. Regardez, ils sont en train de le montrer. Ils sont en train de vous le prouver aujourd'hui. On peut renverser. Il y a des gens qui préparent en coulisses. Vous savez combien de coups
se prépare sur ces gens-là, vous ne le savez pas. Personne ne le sait. Coordination de basse côte, quel est ce qu'ils se disent en réunion? Personne ne le sait. Coordination de Mandé, quels sont ceux qu'ils se disent entre eux là-bas en réunion? Personne ne le sait. Coordination de Konya, coordination de Diaka, coordination de la forêt. Quels sont ceux qu'ils se disent dans leur réunion? Personne ne le sait. S'il vous plaît, dans vos réunions, n'exposez pas vos idéologies. Parce qu'ils diront toujours que c'est cette communauté Fulbe. C'est l'UFDG. C'est ce que ils ont mis en tête aux gens, dans la tête des gens. Et aujourd'hui, ce que vous ne savez pas, je vais vous dire, toutes les communications que nous faisons, moi, ici de la Basse-Côte, nos frères de la Basse-Côte sont assis, nous regardent. Nos sœurs de la Basse-Côte sont assis, nous regardent. Beaucoup m'ont appelé en me disant, mon frère, on a compris que c'est les peuls qui peuvent changer la Guinée. On a compris que c'est les peuls qui peuvent faire l'affaire de la Guinée. On va rejoindre les peuls. Nous ne sommes pas loin de la mission accomplie. Ne gâtez pas cela, s'il vous plaît, je vous en supplie. Ne le gâtez pas. La voix du peuple ensemble est plus forte que la voix d'une seule communauté. Il faut qu'on le sache. Il faut qu'on le mette en tête. La voix du peuple est plus forte que la voix d'une seule communauté. Et nous, notre engagement aujourd'hui, c'est de faire savoir à ces millions de Guinéens ce qu'ils ont mis dans leur tête. Que cette communauté n'est pas une bonne communauté. Que cette communauté n'est pas bonne pour la Guinée. Qu'ils se trompent. Que ce n'est pas cela. Seule aujourd'hui, cette communauté a ses moyens de faire changer la Guinée. Ils en ont. Et ils en sont capables de le faire. Le peuple que nous sommes en train de réveiller petit à petit, ce peuple-là que nous sommes en train de réveiller, vous pensez que les RPGistes considèrent les communicants Fulbe qui sont dans l'UFDG? Vous pensez que le RPG s'intéresse aux communicants Fulbe? Ils ne les considèrent pas. Nous qui sommes issus des autres communautés, c'est nous leur cible. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on continue à réveiller le peuple contre le RPG. Comprenez cela. Comprenez cela. Ils ne veulent pas qu'on continue à réveiller la communauté Soussou, la communauté Malinké, la communauté Yara, la communauté forestière. Ils ne veulent pas. Tous leurs cibles. Est-ce que vous entendez des communicants Fulbe? Est-ce qu'on leur propose des choses? Ils ne leur proposent pas. Ils n'ont pas besoin d'eux. C'est de nous qu'ils ont besoin. Parce que tout ce que nous disons, ça leur touche du fond du cœur. Comme ils sont en train de me regarder actuellement. En disant, qu'est-ce que les peuples t'ont donné? Une personne proche de moi m'a dit, toi tu aimes UFDG aujourd'hui plus que même ta propre famille. J'ai dit, non, ce n'est pas cela. L'homme doit avoir une dignité. L'engagement. Cet engagement... Ce sacrifice qu'on a fait pour le peuple, on doit aller jusqu'au bout pour le peuple. Seul Allah pourra nous récompenser. Seul Allah pourra nous récompenser. Donc, restons soudés, mes frères de CIFD. Bravo, continuez sur votre chemin, mais faites du underground. Faites du underground. Le underground, faites en coulisses. Les gens peuvent acheter les cartes. Il n'y a pas de problème. Faites du underground. Mais le boulot que nous sommes en train de faire,
Je vous ai dit qu'on a planté des arbres à Kaloum. Ça veut dire que tout Kaloum aujourd'hui est dans l'idéologie de l'UFDG, est dans l'idéologie d'élire la communauté Fulbe à la tête de la Guinée. Les prochaines élections aujourd'hui, quand on dit aujourd'hui il y a élection en République de Guinée, la majorité votera toujours pour l'UFDG. C'est ça le but. C'est ça l'objectif. C'est notre président qui est le président, le réellement élu. C'est ce qui leur fait mal. Sinon, ça coûte quoi à Alpha Condé que M. Abdoulaye Ba, courage à lui, dit le vrai président, c'est Sélou Dalein, Mamadou Sélou Dalein Diallo. Alpha Condé, il a usurpé le pouvoir. Ça le coûte quoi si ça ne le fait pas mal d'encore le retourner en prison? Vous voyez les choses là? Il faut qu'on les combatte sur ce point, sur cet aspect là, qu'on continue à lutter contre eux. Disons, c'est celui qui est réellement élu. Ça fait quoi? Qu'est-ce que cela coûte à Alpha? Parce qu'il ne veut pas entendre ça. Il ne veut pas entendre ça. C'est un homme à femme. Même si vous lui dites qu'il est beau, il va penser que vous le dénigrez. Même si vous lui dites qu'il est beau, il va penser que vous le dénigrez. Les hommes à femmes sont comme ça. Les hommes à femmes sont comme ça. Sinon, ça coûte quoi à Alpha Condé qu'un Abdoulaye Ba dit que le réellement élu, c'est Elhadj Mamadou Sélou Dalein Diallo, pour qu'on le retourne en prison? Combien de fois Alpha Condé a dit des gros mots au feu général Alassane Conté? Il ne l'a jamais mis en prison. Combien de fois le régime Condé à patienter? S'il y a une chose que j'ai admirée au régime Condé, ils ont patienté. Alors pourquoi pas nous le patienter? J'ai vu le docteur Diané, qui est le vrai professeur que j'ai vu, le vrai professeur qui enseignait les élèves dans sa galère. Il enseignait les élèves en ce moment, c'est leur militant, les vendeurs de pièces détachées qui cotisaient de la Sigma Dina, qui donnaient un peu. Ils achetaient des motos pour distribuer aux gens de Kaloum. Je vous ai dit ça dans un de mes lives. Ils venaient chez nous faire des réunions là-bas. Docteur Diané quittait pour enseigner, celui qui est aujourd'hui ministre de la Défense guinéen. Il quittait en enseignant les élèves, il venait avec sa chemise remplie de sueur, comme ça là, sueur. Vous voyez, quand les chemises là, il y a les sueurs dessus, on voit même le débardeur qui est dehors. Il s'asseyait, c'est lui qui distribuait, c'est Diané qui distribuait les motos là, les vélos, c'est lui qui le faisait, docteur Diané. Ils ont patienté, c'est tout. Ils ont patienté. Maintenant, nous, militants, sympathisants de l'UFDG, la vérité sur l'UFDG. La vérité sur l'UFDG. Notre parti aujourd'hui, c'est le plus grand parti de la République de Guinée. Il n'y a pas sondeur. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je suis communicant de l'UFDG. Il y a beaucoup de communicants qui communiquent au nom de l'UFDG. Mais sachez que, chers militants, sympathisants de ce parti, ne vous dites pas qu'après l'élection, c'est fini. Notre parti a besoin de soutien. Les responsables du parti ne sortiront jamais pour vous dire ça. Mais étant dans ce parti, connaissant réellement comment les choses se passent, moi je vous dis, ne découragez pas. Pour l'amour de Dieu, ne découragez pas. La manière dont les communicants de CIFD
demande de soutenir leur organisation, c'est de cette même manière que je demande aux militants sympathisants de l'UFDG de continuer à soutenir le parti. C'est pour la Guinée. De continuer à soutenir le parti. Le parti a besoin de nous. Le parti a réellement besoin de nous. Combien de fois aujourd'hui, combien de temps nos bureaux sont fermés, il n'y a pas de travail. Combien de temps aujourd'hui notre siège, le grand siège de la minière est fermé, il n'y a pas d'assemblée. Ça fait combien de temps? Tout ça là, c'est pour faire quoi? Tout ça là, c'est pour éteindre notre parti. Tout ceci, c'est pour éteindre, étouffer le parti. Beaucoup de gens souffrent. Soutenez le parti, le bureau national, le président Selou. Il ne manque pas pour se nourrir, hein, mais soutenons-le. Parce que il y a des centaines de garde-corps qui s'échangent à la résidence, des centaines de garde-corps là-bas qui s'échangent de jour en jour. Des centaines de garde-corps, sans oublier les milliers, les centaines de militants qui viennent là-bas tous les jours pour que le président ou la première dame puisse les soutenir. J'appelle à toutes les coordinations de l'UFDG, d'Europe, d'Afrique, d'Asie, d'Amérique, de continuer à soutenir le parti. C'est très important. De continuer à soutenir le parti. C'est ce qui est la vérité. Et cette vérité aujourd'hui, nous sommes encore plus proches du pouvoir que jamais. Il n'est pas, le moment n'est pas d'abandonner. Le moment n'est pas de se décourager. Le moment n'est pas de se dire que moi c'est bon, stop, on a trop donné. Regardez les autres partis, où ils en sont. Regardez l'UFR, ils sont où? C'est mort. Regardez l'UDG, ils sont morts. Regardez le PDN, ils sont morts. Quels sont ceux qui résistent? C'est nous. C'est l'UFDG qui résiste. Parce que pourquoi? Vous êtes là. Vous aimez votre pays. Vous voulez le changement dans votre pays. Hein, on dit en bon soussou, Merimou Dara Mafoué Toro, on ne va jamais arriver sans souffrir. Tous les grands hommes ont une histoire. On ne va jamais devenir quelqu'un ou on ne va jamais arriver à un niveau, de haut niveau, sans souffrir. Donc leur but c'est quoi? C'est chercher à nous diviser. Chercher à ce que nous, communicants ici de la basse-côte, ici de du Mandingue, qui cherchent à éveiller la conscience des autres, c'est de nous faire décourager. Alhamdulillah. De nous faire décourager. Comme les corruptions n'ont pas marché, je vous ai dit en début de vidéo qu'ils ont cherché avec tous les trucs de charlatans, de fétiches pour qu'on puisse rester sans dormir. Mais mashallah, moi avant d'être dans la politique, alhamdoulilah rabbil alamin, j'ai cette croyance en moi. Et Allah est dans mon sang. As-salat est dans mon sang. Barakallahu fikum. C'est Dieu qui a fait cela. Donc, notre parti, UFDG, la vérité aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans le parti? Les responsables ne vous diront pas. Ils ne vous diront pas. Mais le parti a besoin de soutien. Le parti a besoin de vous. Maintenant là, pas plus, pas moins. Donc, moi aussi, en tant que communicant, en tant que reste, c'est-à-dire militant de ce parti, j'appelle les militants de l'UFDG. Vous voyez, il y a beaucoup de gens, des communicants qui sont sortis en exil. On ne travaille pas ici.
Regardez, ma mère est décédée, moi. Je ne suis pas au pays. Il y a beaucoup qui ont perdu leurs proches. Nos milliers, nos 400 et quelques prisonniers qui sont en prison, ils ont besoin de soutien. Nos responsables qui sont là-bas, dans les prisons, ils ont besoin de soutien. N'abandonnez pas le parti. Je parle aux militants de l'UFDG. Notre objectif commun, c'est de rester ensemble, soudés. Tous ces problèmes-là sont sur le dos de qui? Sont sur le dos du président et de sa femme et les autres responsables. Regardez réellement, si vous comprenez les choses, regardez les réunions virtuelles, les meetings, l'assemblée générale virtuelle qu'on organise. Regardez. C'est moi qui vous dis, regardez. Le combat, le bus chemin, comprenez une chose, ce n'est pas l'UFDG qui est au pouvoir. Ceux qui sont au pouvoir, ils ont la banque centrale. Ceux qui sont au pouvoir, ils ont le port autonome. Ceux qui sont au pouvoir, ils ont les mines à leur disposition. C'est un coup de téléphone. Il demande d'avoir 1 million d'euros. Un coup de téléphone, il demande d'avoir 1 million de dollars. Nous, ce n'est pas cela. Nous, ce n'est pas cela. Je vous demande humblement, je me mets à genoux, de soutenir le parti. Parce que le parti a besoin de soutenir tous ces gens-là. Nous qui sommes ailleurs, grâce à vous, beaucoup de personnes, des fils dignes de la Guinée. Là où je suis, moi, je ne travaille pas. Je suis en exil. Mais grâce à vous, et je vous remercie encore, j'ai pu faire le sacrifice de ma maman. Oui, grâce à vous. Allah, Billah. Donc, c'est cette soutenance à l'égard du parti. C'est l'intérêt de notre pays. Nous n'abandonnons pas. Ne nous laissons pas que ces gens-là puissent éteindre ce parti. Si vous voyez que on entend qu'il y a des infiltrés, il y a des infiltrés, ou vous voyez des gens qui demandent démission là, ce n'est pas pour rien que les Alpha Boubacar Barry sont partis. Les Alpha Boubacar Barry, ce n'est pas pour rien. Hein. C'est la galère. Il dit qu'il la galère. Il galère. Alors que le président, vous savez, depuis combien de temps le président ne peut pas voyager? Il est bloqué. Tout ceci là, il faut qu'on comprenne cela. La première dame ne peut pas voyager. Tout ceci là, il faut qu'on le comprenne. Ils ne peuvent pas sortir de la Guinée. Et Alpha Boubacar, il a démissionné, il est parti. Si vous entendez qu'il y a des taupes et des infiltrés dans le parti, c'est des gens qui n'ont jamais eu 10 000 dollars, 20 000 dollars, 30 000 dollars, 100 millions francs guinéens. C'est des gens qui n'ont jamais eu ça. On l'appelle, on le met dans une voiture, on lui montre 100 millions de francs guinéens, on lui dit, ah, tu pars seulement avec les dictaphones là, vous écoutez. C'est-à-dire, on dit, ah voilà 100 millions, comme toi tu es d'accord avec celui-là, tu es d'accord avec Agalimatoula, vous vous entendez bien là, vas-y, on va les écouter. Je ne dis pas que l'affaire de numéro là sur écoute, que c'est faux, hein. Mais ce service-là, c'est minime en République de Guinée. C'est les enregistrements. Je demande au président et à la première dame d'être vigilants là-bas, aux responsables d'être vigilants, d'installer les caméras de surveillance chez le président. Oui, d'installer les caméras de surveillance chez le président. Le dehors. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi les gens
Ils démissionnent. Des gens, ils partent, ils disent qu'il y a la galère, on galère, on galère, on galère. Le parti aujourd'hui a besoin de soutenance. Cette soutenance doit venir de nous, les militants. Cette soutenance doit venir de nous, les communicants. Parce que le parti doit soutenir ces milliers de personnes. La politique, c'est cela. C'est la continuité. C'est la continuité. Ce n'est pas aujourd'hui, après demain, on s'arrête. Avant le surlendemain, on dit maintenant, moi, je regrette même pourquoi je suis parti là-bas. Donc, on termine par quoi? CIFD, UFDG, c'est deux choses différentes. UFD, c'est un parti politique. Le premier parti, la première partie. Aujourd'hui, c'est nous, l'UFDG. Il n'y a pas match. Tout le monde connaît ça. Tout le monde en est conscient. Maintenant, l'objectif, c'est d'éteindre ce parti. L'objectif, c'est de mettre fin à ce parti. L'objectif, c'est d'étouffer ce parti. Ils ont passé par tous les moyens et ils sont en train de continuer. Nous, aujourd'hui, nous sommes en train d'œuvrer, de mener des pieds sur terre que oui, qu'on va envoyer Mamadou Sello Dalein Diallo au palais Sekoutoura. Et on le fera, Inch'Allah. Ne gâtez pas cela. La forêt nous regarde tous les jours. La basse-côte nous regarde. Les Mandés nous regardent. Un Mandinka pur m'a appelé pour me dire, ah frère, moi je suis malinqué. Hein? Je n'ai jamais aimé les peuls. Parce que j'ai grandi dans ça. J'ai dit, ah bon? Il me dit oui. Il me dit, j'ai grandi dans ça. Cette rivalité, cette idéologie pour dire que les peuls ne sont pas bons. Il me dit, mais je commence à comprendre que les peuls là, c'est eux qui peuvent aider la Guinée. Hein? Il dit, ah bon? Il dit, ah vraiment mon frère, je commence à comprendre que les peuls là, c'est eux qui peuvent aider la Guinée. J'ai dit, comment? Il dit, de un, ils ont l'argent. Il dit, je veux voir. Il m'a dit, mais même si ce n'est pas celui, mais je veux voir qui va être président. Hein? Il dit, je veux voir, je veux qu'un peuple devienne président. Mais pour dire que les peuples ne sont pas bons là, ça c'est faux. Parce que j'ai compris qu'on est jaloux d'être, parce que les peuples ils travaillent. Et ils travaillent pour gagner l'argent. Oui. M. Mandinka m'a dit ça. M. Mandinka m'a dit ça. Donc la division qu'ils cherchent là, il ne faut pas laisser les gens nous diviser. J'ai un amour immense pour cette communauté et je continuerai. Cet amour ne date pas d'aujourd'hui. Mon meilleur ami, tous mes amis sont des peuls. J'ai grandi avec eux. J'ai même échangé des caleçons avec mon ami Peul. Oui, parce que cet amour-là, on est né, grandi dans ça. Moi, je n'ai pas connu la division. Je n'ai pas connu cela et je ne l'accepterai jamais. C'est pourquoi aujourd'hui, on a sacrifié nos vies, abandonné nos familles, pour que ces gens-là sachent que réellement, les fils dignes sont là et qu'on ne fermera pas la bouche pour eux. Quoi qu'il se passe, sauf Allah qui peut le faire, Inch'Allah. Donc, vive l'UFDG, vive l'UFDG, vive le CIFD, coordination du Fouta Diallo, vive CIFD, militants, sympathisants de l'UFDG, soutenez notre parti. Je sais une chose, s'il y a demain élection en Guinée, comme CIFD, ce n'est pas un parti politique,
tous les membres du CIFD vont voter pour l'UFDG. Ça, c'est sûr et certain. Mais faites du underground, comme les autres coordinations. Faites du underground. Ça, je sais cela. S'il y a élection demain, comme il y a la transition qui arrive là bientôt, dès qu'il y a élection, il n'y a pas un parti politique mieux placé pour être président, pour diriger la Guinée, si ce n'est pas l'UFDG. Ça, il n'y en a pas. Personne ne dira le contraire. Donc, le combat, tout ce qu'ils sont en train de mener pour éteindre ce parti, à la baie, on a ralou, il a reçu. On a ralou, il a reçu. Mbara Oma Khandi, à la noire, Rera Rafera, on a ralou, il a reçu. À la baie. À la baie, hein? Pour l'amour de Dieu, de vos enfants, de vos femmes, de vos mamans. Moi, je ne dois pas faire de live, je suis en deuil. Mais je me vois dans l'obligation de parler. Et je veux que les communicants de l'UFDG ou les communicants de CIFD arrêtent de vous lancer des flèches ou de vous clasher. Non, laissez tomber cela. C'est deux choses différentes. UFDG, c'est un parti politique. CIFD, c'est une organisation d'une communauté. Et notre parti UFDG, ce n'est pas un parti communautaire. C'est un parti pour la Guinée et pour les Guinéens. Donc, sur ce, portez-vous bien. Qu'Allah purifie nos esprits, nos âmes, qui nous aide à comprendre que le vrai combat, le vrai ennemi, c'est Alpha Condé et son clan, et pas nous. Pas entre nous. Le vrai combat, c'est Alpha Condé et son clan, et ils le savent. Pour l'amour d'Allah, pour l'amour de vos familles, comprenez ces mots que je viens de partager avec vous. C'est très, très important. Nous avons donné nos vies aujourd'hui. Nous avons sacrifié ces vies pour cet objectif. L'objectif là, elle est bien visée et claire et nette. C'est délire. Et là, je m'en Mamadou Sélou d'Alain Diallo comme président de la République. C'est de leur prouver que oui, c'est possible. Comme l'ont dit en 2008 les Américains noirs à Barack Obama. Yes, we can. Donc, il faut qu'on sache que nous aussi, nous le pouvons. Mais c'est en restant soudés, unis, soutenir le parti. Pas oublier le parti. Les personnes qui sont les responsables, le parti, le bureau national, partout, de continuer les réunions. Parce que j'aurais appris, après l'élection, les coordinations, beaucoup de coordinations en Europe ne se réunissent plus. N'abandonnez pas, mes frères, mes grands frères, n'abandonnez pas. L'heure n'est pas au moment d'abandonner. Alpha et son clan, Alpha, lui, il a souffert 40 ans. Bantamasso a galéré. Il n'avait même pas de voiture, Bantamasso. Il n'avait même pas de voiture, Bantamasso. Il n'en avait pas. Aujourd'hui, il est ministre. Il a des maisons, il a tout. Oui. Donc, pour l'amour de Dieu, continuez les réunions. Ce n'est pas parce que le bureau national, les sièges sont fermés, les bureaux sont fermés. Continuez les réunions. Continuez à soutenir le parti. Pour l'amour de Dieu. Donc, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Qu'Allah veille sur chacun de nous. Qu'Allah nous donne ce qu'on veut pour notre pays.